Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau pour ce culte ce matin et avoir la joie d'être ensemble. Est-ce que vous vous réjouissez de voir que l'été est déjà arrivé? C'est beau, hein? Alors moi, à Reims, j'arrive pas à comprendre la météo, hein, mais l'été, il pleut. L'hiver, il y a un soleil, il fait moins 15 d'un côté, ensuite on se retrouve à... C'est bizarre ici quand même, hein, mais bon, on va s'adapter. Voilà, en tout cas, bienvenue, parce que ici il fait chaud, parce que Jésus est dans notre cœur. Alléluia. Au balcon, vous nous entendez bien? Ça va? Il y a du son? On est avec vous êtes avec nous? On est ensemble? Que Dieu soit béni. On est heureux d'être là et de pouvoir encore avoir cette matinée où nous allons pouvoir célébrer notre Sauveur de tout notre cœur. J'ai demandé au service d'accueil de bien vouloir fermer les portes, s'il vous plaît, quand le culte commence, afin que voilà, on puisse avoir un peu de silence. Et puis, je vous invite à vous lever, on va prier ensemble et on va demander à Dieu sa grâce encore pour cette matinée. Et on va lui dire de pouvoir régner encore au milieu de nous. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit règne au milieu de nous? Vous savez que si on se rassemble juste parce qu'on est une association, il risque de pas se passer grand-chose. Mais si on se rassemble parce qu'on se rassemble au nom de Jésus, alors là, peut-être qu'il va se passer des choses. Est-ce que j'enlève le peut-être? Je l'enlève. Là, il va se passer des choses. Amen. Parce que lorsque Jésus est au milieu de nous, il y a toujours des choses merveilleuses qui s'accomplissent. Et ce matin, tout le monde a travaillé. On a travaillé pour la louange, préparer des chants, la musique, pour que ça sente bon, pour que ce soit propre, pour que la technique fonctionne, pour que je puisse essayer de vous apporter un message qui vous fasse du bien, pour que plein de choses. Mais au-delà de tout cela, ce qui est prioritaire, c'est que le Saint-Esprit soit là au milieu de nous et que ce soit lui maintenant qui conduise et qui dirige ces instants. Et qu'au-delà de tout ce qu'on a pu préparer, que lui fasse son œuvre dans nos cœurs. Puisque nous voulons lui ressembler et nous voulons que chaque rencontre soit une rencontre de transformation. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser transformer ce matin? Parce que chaque fois qu'on rencontre Jésus, c'est ça l'objectif. Se laisser façonner, se laisser modeler, se laisser transformer. Et soit nous ne le voulons pas, et à ce moment-là, nous repartirons tel que, soit nous disons, Seigneur, oui, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose à transformer dans mon cœur, dans ma vie? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Et voyez, si on y vient de cette manière-là, avec cet état d'esprit, alors le Seigneur dit, bah oui, je suis là. Ce matin encore, par mon amour et par ma grâce, je vais toucher ton cœur. Alors je vous invite ce matin simplement à lui dire, Seigneur, avec moi, touche mon cœur ce matin. Dites-lui, ne soyez pas timide. Dites, Seigneur, touche mon cœur ce matin. Touche mon cœur. Fais quelque chose dans ce culte qui fasse que mon cœur soit interpellé. Ma vie soit touchée. Peut-être même mon caractère, mon tempérament, mes pensées, mes conceptions, ma connaissance. Seigneur, fais que dans cette matinée, je ne ressorte pas de ce lieu comme je suis rentré tout à l'heure. Parce que tu auras agi dans ma vie. Alors touche mon cœur, touche mon corps, si c'est nécessaire. Touche peut-être mes pensées, touche mon entendement. Viens toucher peut-être le raisonnement en profondeur dans mon cœur, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, je suis peut-être dans l'incompréhension ce matin. J'ai besoin que par ta sainte lumière, tu éclaires ma compréhension. Et Seigneur, toi, tu as toute la capacité de le faire. Alors prépare déjà, au travers de la louange et de l'adoration, nos cœurs et nos raisonnements à recevoir ta parole. Et que nous puissions vivre quelque chose d'unique encore ce matin, d'extraordinaire. Toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On accueille tous nos amis également qui nous suivent par Internet. Est-ce qu'on peut les accueillir ensemble, même si vous ne les voyez pas? Est-ce qu'on peut applaudir ensemble? Juste les accueillir. Peut-être qu'ils vont nous entendre. Je ne sais pas si les micros fonctionnent. On va mettre un peu de micro également pour que ce qui se passe dans la salle du bas puisse rayonner un petit peu dans la salle du haut, qu'on va faire en sorte que vous puissiez entendre aussi un petit peu ce qui se passe. On essaye de mettre en place tout ce qu'il y a en nos possibilités pour rendre ces moments agréables. Mais l'important, c'est que Jésus soit au milieu de nous.
Amen. Louons-le, célébrons-le, adorons-le maintenant. Amen. Alors je dis bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Alors, avant de commencer, je vais vous partager juste quelques mots. Souvent, on m'a posé cette question en me disant, mais pourquoi tu souris souvent? Parce que certaines personnes, elles ne comprennent pas pourquoi on sourit. Mais en fait, choisir la joie, en fait, ça ne veut pas dire que tout va bien dans nos vies. Nous choisissons la joie parce que nous savons en qui nous avons placé notre confiance. D'accord? Et là, on se dit, mais la joie aussi que le Seigneur nous donne est notre force. La joie du Seigneur est une force. Alors refusons de rester dans un état de tristesse. Même ne laissons rien nous voler notre joie, en fait. Même ce moment que nous allons passer en ce moment même à le louer, à l'élever, réjouissons-nous tous ensemble. Parce que Dieu est bon et il est fidèle. Voilà pourquoi nous réjouissons. C'est parti. Dans les yeux de mon salut.
Je me réjouis dans les noms du Seigneur. Je me confie dans les noms du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans les noms du Seigneur. Je chante de joie. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Certaines choses ont pour objectif de nous détourner, de nous distraire, de attirer l'attention en fait, et nous font perdre l'objectif, ce qui est important, ce qui est essentiel. Mais aujourd'hui, je vous invite à fixer les yeux sur Jésus qui est tout en fait. Fixer les yeux sur sa parole, sur ses promesses. Parce que lui-même, il dit, Dieu est la parole et sa parole est Dieu. Donc, restons focus sur Jésus. Jésus fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour, où ta donne mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour, où ta donne mon roi, être guidé par toi. Les yeux. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi.
yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Tout ce que tu es, Seigneur, t'adorer. Seulement t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Tout ce que je suis. Je veux t'adorer, t'adorer. Mon être entier. Je veux t'adorer, t'adorer. Mon protecteur. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Mon sauveur. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Tout ce que je suis. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. T'adorer, mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. C'est pourquoi je veux t'adorer. Et par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oui, seulement toi, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Une dernière fois, seulement sur toi, les yeux fixés sur toi, Seigneur. Toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi.
Alléluia. Adorons ce matin, adorons. Ne nous attendons pas les uns les autres. Prions ensemble, nous sommes nombreux, alors élevons la voix tous ensemble. Glorifions le roi, célébrons l'agneau de Dieu. Alléluia. Entrons dans la prière et dans la louange collective ce matin. Alléluia. Dieu nous entend. C'est lui qui a besoin de nous entendre, pas forcément nous, mais lui. Alléluia. Alors glorifie-le, célèbre-le de tout ton cœur, comme nous l'avons chanté déjà. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Les événements de ce monde. Regarde ma face. Regarde la croix. Et c'est là que je te donnerai de la joie, du bonheur et de la paix. Oui, c'est vrai, Seigneur. C'est grâce à toi qu'on peut avancer. C'est grâce à toi, par ta croix, par le sang qui a coulé à la croix, qu'on peut faire toutes ces choses-là. Mais le monde, il est comme ça. On ne va pas le changer. Mais c'est à nous de changer. À changer nos cœurs. Notre esprit, et en revenant à la repentance à la croix, les choses vont changer. Merci, mon Père Céleste, d'avoir donné ton Fils Jésus-Christ à la croix, mort pour mes péchés, ressuscité des morts, et je peux proclamer qu'il est vivant dans mon cœur. Il est là, présent dans mon cœur. Il est là chaque jour, chaque matin, chaque nuit. Il me protège. Et j'ai, grâce à lui, je peux avancer. Malgré les difficultés, malgré les épreuves que je passe, malgré les souffrances, et Jésus a souffert plus que moi à la croix, plus que moi, parce qu'il a payé un grand prix, le prix des pécheurs sur cette terre-là. Revenons, mes frères et sœurs, à la croix, à leur repentance. Et c'est là que tout va s'ouvrir, et c'est là que les bénédictions du ciel vont tomber, et c'est là qu'il va nous donner la paix. Amen. Tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu,
c'est ce que tu es. Oui, tu traces ton chemin, Seigneur. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là. Transforme mon cœur. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oui, tu es là. Tu es là. Guérissant mon cœur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es là. Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, c'est ce que tu es.
tu y es. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, car d'âge en âge il vit. Divin, combien
Alléluia, chantons-le encore ce matin. Combien il est merveilleux. Son nom est tout puissant. Proclame-le ce matin. Digne de il est digne d'être élevé. Louange. Parce que c'est digne de louange. Alléluia. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est puissant. Dieu est grand. De louange, alléluia. C'est lui que nous célébrons ce matin encore, alléluia. Lui et aucun autre est digne de louange, lui et aucun autre est grand, lui et aucun autre règne au siècle des siècles, alléluia. Et même si ce que nous voyons pourrait sembler nous décourager, il est maître de toute circonstance et de toute situation, à lui seul, soit toute la gloire encore ce matin, alléluia. Oui, on peut l'acclamer même sur la les réseaux sociaux, vous nous suivez par la vidéo, vous pouvez chez vous l'acclamer, le célébrer, parce qu'il est le seul digne d'être élevé encore et encore. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci pour ces temps de louange. On reprend un moment après un temps de prédication maintenant, un message. Je vous invite à reprendre place. J'aimerais saluer encore une fois ceux qui nous ont rejoints par Internet et qui suivent chaque semaine, les dimanches, les mardis, nos vidéos, non simplement en France, mais un peu partout également, ici ou là. Nous avons et nous recevons parfois des messages d'Afrique, d'Algérie ou ailleurs, des gens qui suivent également ces temps de célébration, ces temps où la parole est aussi proclamée. Alors soyez les bienvenus, comme soyez également les bienvenus, vous qui êtes là en présentiel. Je voudrais également accueillir ceux qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois ce matin? Oui? Eh bien, soyez la bienvenue. On voudrait vous accueillir. Je n'ai pas regardé au balcon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Oui, il y a 2, 3, 4, 5, 6 mains qui se lèvent. Eh bien, soyez les bienvenus également. Très heureux de vous accueillir et très heureux que le Seigneur ait certainement quelque chose pour vous encore ce matin. Merci à l'équipe pour ce temps. On les remercie, on se retrouve dans quelques instants pour terminer ces moments. Quelques annonces ensemble ce matin, plusieurs choses à vous partager. D'abord, merci de continuer à fidèlement vous inscrire, mais également pensez à vous désinscrire. Chaque dimanche, nous avons plusieurs personnes qui se sont inscrites à l'avance et qui ne se sont pas désinscrites. Et le problème, c'est que eh bien, cela prive d'autres personnes de pouvoir assister en présentiel au culte. C'est dommage. Merci de manifester votre amour fraternel dans ce domaine aussi. Alléluia. Alors, ce n'est pas pour vous, puisque vous êtes là, hein, du coup. Mais voilà, pensez-y, si toutefois vous vous inscrivez, il peut y avoir un problème, bien sûr, de dernière minute. Vous pouvez être empêché, mais pensez à le faire, s'il vous plaît. Je rappelle encore que les enfants sont bien sûr sous la responsabilité des parents. Nous sommes en train de terminer des travaux dans les salles du rez-de-chaussée pour pouvoir à nouveau reprendre les cultes pour enfants. On vous donnera toutes les informations dès que les choses seront terminées. Des choses très pratiques maintenant, c'est nos associations qui le veulent, c'est comme cela. Pour ceux qui participent à la vie financière de l'Église et qui souhaiteraient cette année un reçu fiscal, merci de nous le signaler. On ne va pas tous les imprimer comme on a fait les autres années, parce qu'on se rend compte que beaucoup ne sont pas utilisés. Parfois, on a des retours également en nombre de courriers. Charlène se tiendra dans le hall d'entrée. Et pour tous ceux qui sont participants à l'aspect donc financier, que vous souhaitez un reçu fiscal pour tous les dons qui ont été faits en 2020, donnez vos coordonnées à Charlène qui sera là, ou envoyez-nous un mail également sur conta@mcechampagne.fr. Vous retrouverez ces informations également sur la vidéo. Et comme cela, eh bien, avec vos informations précises, on pourra vous envoyer les documents nécessaires pour votre déclaration d'impôt.
Voilà, merci pour votre compréhension. Les kits de Sainte-Seine sont en train d'arriver. Je dis sont en train parce qu'on n'a pas tout reçu. Et nous avons voilà, trois modèles qui seront à votre disposition. Un modèle pour les couples et un modèle pour les personnes solo également. Alors, nous avons vu également avec le conseil d'administration d'MCE, les pochons nous reviennent avec l'ensemble à 6 euros et 7,50 euros pour les couples. Mais nous allons participer, pour ceux qui sont membres d'MCE, à prendre à peu près 50% en charge, ce qui fera qu'il y aura 3 euros simplement pour les couples, pour les personnes solo, pardon, et puis 4 euros pour ceux qui voudront une version pour les couples. Normalement, dimanche prochain, nous aurons dû tout recevoir le matériel pour les confectionner et les mettre à disposition afin que nous puissions en toute sécurité reprendre la Sainte-Seine ensemble et pouvoir célébrer ces moments. Voilà. Les mardis prières, je vous ai annoncé il y a quelques semaines et la semaine dernière également que nous aimerions ouvrir l'église les mardis de 10h à 14h avec des pôles prières. C'est quoi des pôles prières ? Eh bien, vous allez le voir bientôt, ce sera sur les murs. Nous allons essayer de mettre, sans abîmer les murs, vous verrez, hein, mais simplement des pôles d'intercession avec des thèmes sur le couple, des thèmes sur la famille, des thèmes sur la vie sociale, des thèmes sur tous les sujets de société que nous avons aujourd'hui et dont nos prières sont indispensables. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se vote actuellement au Parlement, avec les sénateurs, etc. Mais il y a des lois qui sont en train d'absolument tout changer au niveau des églises. C'est-à-dire qu'il y a actuellement... je ne fais pas de politique, mais la réalité, c'est qu'il y a des lois qui vont impacter directement les églises. On utilise une action politique envers un extrémisme islamique. Mais la réalité, c'est que ce sont les églises évangéliques, comme certaines églises protestantes et autres, qui seront totalement impactées par ces lois-là. Donc le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, est sur le sujet depuis plusieurs mois maintenant. Plusieurs députés, sénateurs, nous les avons eus en entretien pour pouvoir discuter avec eux et pour pouvoir aborder ces questions tellement importantes. Mais on sent qu'il y a une vraie pression. Le premier article de loi est passé, il est actuellement discuté. Et très prochainement, fin février, début mars, il y aura de nouveau des votes qui seront faits. Et nous avons vraiment besoin de nous mobiliser dans l'intercession, dans la prière. Vous savez, souvent les chrétiens disent « mais ce n'est pas possible que des lois comme cela sont votées, ce n'est pas possible que dans le milieu politique, il se passe ceci, il se passe cela ». Mais le problème, c'est que très souvent, en tant que chrétiens, nous nous démobilisons, nous nous désolidarisons de tout ce qui se passe dans le milieu politique. Je ne dis pas qu'il nous faut faire de la politique, je dis tout simplement qu'il faut s'intéresser aux gens qui nous gouvernent. Et une des responsabilités premières dont la Bible nous parle, c'est de prier pour nos autorités. Quelles qu'elles soient, je ne suis pas en train de parler d'un parti politique, je ne fais pas de politique, je ne parle pas de parti quel qu'il soit. Je parle d'hommes et de femmes qui font des lois, qui y réfléchissent et qui parfois pondent des choses sans aucune connaissance réelle. Notre responsabilité en tant que croyants, c'est d'intercéder et de prier pour cela. Alors je vous invite vraiment... Nous allons ouvrir les églises très prochainement, donc l'église ici, tous les mardis de 10h à 14h. Pour cela, nous avons besoin au moins de 2 personnes qui pourraient venir pour ouvrir l'église, peut-être mettre le chauffage, installer l'environnement, la lumière, etc., pour avoir vraiment un environnement de prière. Je vous l'expliquais, ce n'est pas pour passer 4 heures dans la prière. Si vous avez 4 heures et vous voulez intercéder pendant 4 heures ici, vous serez les bienvenus, il n'y aura pas de problème. Mais si vous avez 5 minutes, si vous pouvez venir qu'entre midi et 2, si vous pouvez venir entre 10h et 10h30, si vous venez qu'en début d'après-midi, peu importe, venez passer un moment dans l'intercession. Venez vous recueillir et venez tout simplement retrouver un temps de contact avec Dieu. Alléluia. Donc, nous allons essayer cela, nous allons le mettre en place, mais nous avons besoin de personnes qui peuvent venir nous aider, le pasteur David et moi-même. Parfois, nous sommes très souvent là, parfois nous ne serons pas là, nous avons parfois des obligations ou des entretiens ou des visites ou autres, et donc nous ne pouvons pas être là tous les mardis. Et si nous voulons que ça fonctionne correctement, nous avons besoin que vous puissiez aussi vous mobiliser. Et on va trouver 2 personnes qui vont venir.
Non, parce que j'en ai parlé il y a 15 jours, mais j'ai eu aucun retour. Donc je pense que si j'en parle aujourd'hui, à 12h30, on aura deux personnes qui vont dire « Moi, pasteur, je suis à disposition. » Amen. Parce que vous êtes tellement volontaires ici que je suis obligé de vous retenir. On n'a plus de place sur les listes pour vous inscrire. Hein, c'est ça, hein, voilà, gloire à Dieu. Une information concernant le CNEF 51. Vous savez que suite à ce temps de réconciliation qu'il y a eu entre les pasteurs de différentes églises principales sur la place de Reims avec les fédérations les plus importantes, c'est-à-dire l'UDM, la FEPEF, les APC et aussi la FNADF. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous ces logos, mais vous pouvez les trouver sur le CNEF ou en tout cas sur Internet. Ce vendredi, donc 4 février, je vous l'ai déjà partagé de ce moment étonnant que nous avons vécu alors qu'on était en train de boire le café et qu'un pasteur a pris la parole et il a commencé à demander pardon pour tout le mal qui avait été fait, pas simplement en son nom, mais au nom aussi de son église et puis des anciens pasteurs qui étaient passés, toutes les critiques qu'il y avait pu avoir et même entre eux, entre les églises, c'est-à-dire qu'on n'était pas nous simplement les seuls concernés. Mais entre eux, il y avait toutes sortes de problématiques et j'étais vraiment surpris de voir cet élan spirituel. Et puis un deuxième pasteur a commencé à demander pardon et un troisième et un quatrième. Et moi-même, ce n'est pas que je me suis senti obligé, mais ça fait déjà tellement de mois, je vous en parle, n'est-ce pas? On parle de la réconciliation, n'est-ce pas? On prêche la réconciliation, j'en parle dans l'Église. Donc je me suis dit que si ça se fait aussi à l'extérieur de l'Église, Dieu est en train de faire quelque chose. Et je n'ai pas voulu faire le pasteur en disant... Nous prenons acte, frères, de ce que vous venez de nous signifier. Nous allons voir ça avec les conseils et puis on verra ensuite. Non, vous voyez, moi, je ne suis pas ce pasteur-là. Si vous en voulez un comme ça, achetez-en un autre. Mais moi, ce n'est pas mon fonctionnement. Quand j'ai vu ce moment-là, j'ai dit, ben, c'est l'occasion de saisir aussi cet instant. Et au nom d'MCE, j'ai aussi demandé pardon pour peut-être toutes les divisions, tout le mal, tout ce qui avait pu avoir... fait, toutes les mauvaises paroles qui avaient pu aussi être données, bref, toutes ces choses qui n'ont pas contribué à la croissance du royaume de Dieu sur la ville. Comme je vous l'ai dit, suite à ce moment particulier, il y a eu un temps de Sainte-Seine pour sceller spirituellement cet instant et nous avons donc décidé de mettre en route l'association CNEF 51 qui va rassembler toutes les églises qui sont membres d'une fédération, je précise, je ne parle pas des églises indépendantes, je ne parle pas de groupuscules, je ne parle pas de petites églises qui se montent à droite et à gauche, qui tiennent 6 mois, 1 an, qui referment, etc. Je parle de toutes les églises qui sont rattachées et fédérées par le CNEF national aujourd'hui. Et donc, les statuts ont été validés par le CNEF national cette semaine et prochainement, ils seront déposés en préfecture. Parmi les pasteurs, un délégué départemental du CNEF a été désigné pour 3 ans afin de représenter devant les autorités l'ensemble de la mouvance évangélique ici dans le département du 51. Voilà. Donc ça, c'était pour vous informer que les choses étaient maintenant opérationnelles. Alors merci aussi pour vos prières. Et pour votre soutien dans tous ces domaines, parce que nous avons besoin de continuer à faire en sorte que les choses avancent, amen, et qu'elles ne s'arrêtent pas simplement là. Vous savez que nous sommes dans des situations de crise, et nous savons que c'est compliqué aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, mais aussi pour beaucoup de personnes qui sont en extérieur, et notamment les étudiants. Est-ce que vous avez reçu ce petit mail que je vous ai envoyé il y a, je pense, 15 jours maintenant ? Réflexion pour... Pourquoi ? Pour réinventer l'Église. Si vous ne recevez pas les informations par mail, inscrivez-vous. Donnez votre adresse mail auprès de Charlène également pour qu'elle puisse vous inscrire et qu'on puisse vous mettre dans la base de données si vous souhaitez avoir des informations régulières. En tout cas, pour ceux qui l'ont reçu, il n'y a pas eu énormément de réponses. Je vous ai dit qu'on aurait un temps également ensemble. 2 choses vont avoir lieu dans les semaines qui viennent. Un samedi où nous aurons l'occasion de nous retrouver pour ceux qui le veulent afin de pouvoir partager ensemble de comment réinventer l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous faut mettre en place ? L'idée, c'est quoi ? C'est comment toucher notre société actuellement à travers la crise et à travers tout ce qui se passe aujourd'hui. Et vous êtes bourrés les uns et les autres de dons, de talents, d'idées. Alors, on va essayer de mettre tout cela en place. Vous aurez également un formulaire qui va vous être transmis aussi par mail très prochainement
afin de pouvoir eh bien, vous solliciter à répondre comme un petit sondage et puis aller chercher également vos idées au travers de tout cela. Mais quelques personnes avaient déjà commencé à répondre et il y a des situations d'urgence. Et non simplement au travers de la jeunesse, vous savez, qui se mobilise, nous avons vu déjà ensemble que nous ne voulions pas simplement avoir des rencontres de jeunesse tous les samedis où nous fabriquons des consommateurs. Mais nous voulons des rencontres où nous allons développer des disciples de Jésus-Christ. Et nous allons en parler dans quelques instants. Et des disciples de Jésus-Christ, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement des gars, des filles, des hommes, des femmes, c'est chacun d'entre nous qui avons envie de servir le royaume de Dieu et de développer le royaume afin que le Seigneur puisse se manifester et attirer des âmes à lui. Et là, certains ont réalisé qu'il y avait une souffrance dans le milieu étudiant et qu'il y avait également beaucoup de précarité, de pauvreté, etc., etc. D'autres églises également m'ont contacté pour cela, en disant qu'ils étaient en train de réfléchir à une collecte et à une distribution de produits alimentaires secs et de produits d'hygiène pour les étudiants en difficulté. Alors j'en ai parlé à quelques-uns, les jeunes déjà ensemble en ont parlé un petit peu, j'ai sollicité d'autres jeunes également, et puis une sœur a eu ça également à cœur, elle m'en a parlé, et je l'ai rencontrée cette semaine. On est en train d'écrire le projet, de mettre cela en place pour que les choses se mettent en place correctement, en respectant bien entendu toutes les normes sanitaires, etc. Mais on voudrait vous donner la possibilité de bénir aussi. Aujourd'hui, avec l'association AMC, avec la solidarité évangélique, hein, nous avons... législativement, la possibilité de faire quelque chose dans ce domaine-là. Alors, nous allons voir cela ensemble et nous allons commencer à mettre ces choses en place. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de pouvoir acheter des produits secs, les stocker, confectionner des colis alimentaires, des colis d'hygiène, organiser une distribution en interpellant les étudiants en difficulté, les faire venir, avoir un temps de partage avec eux, et de pouvoir voir comment on peut organiser cela et leur porter une aide. Il me semble que le rôle de l'Église dans la ville, c'est d'aider son prochain. Alors que tous ceux qui ont dit Amen sera au rendez-vous avec nous quand on va distribuer, quand on va acheter les produits, quand on va confectionner les sacs. Amen ? Ah, il y a autant d'amen, ça va. Je n'entends pas ceux du balcon, mais vous êtes là aussi avec nous, ceux du balcon, là-bas ? Oui, aussi. Et ceux qui sont en vidéo aussi, si vous avez envie de servir, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez encore sur notre site internet le recrutement, le lien recrutement. Vous allez sur mcechampagne.fr, cliquez sur recrutement, et si vous avez envie de servir dans un service, inscrivez-vous, on aura un entretien ensemble. Et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de rassembler nos forces, de rassembler nos énergies pour pouvoir avoir un impact dans cette société. Alors, nous aimerions vraiment donner à tout le monde la possibilité de bénir. Alors, je comprends que certains n'ont peut-être pas la capacité de se déplacer, de venir. Certains sont plus âgés, certains sont fatigués. Il n'y a pas de problème. On aimerait vous donner la possibilité de bénir quelqu'un de différentes manières. Soit vous-même, quand vous faites vos courses, vous allez acheter des produits alimentaires secs ou des produits d'hygiène et vous rapportez ce que vous souhaitez donner ici et on fera ensuite du stockage et de la répartition. Soit vous pouvez faire également un don à la solidarité évangélique. Vous pouvez le faire en prenant une enveloppe blanche, vous mettez solidarité évangélique dessus, action sociale par exemple, et ça nous permettra d'avoir un don dirigé pour une activité particulière que nous allons développer ici. Nous allons également, puisque cette association avait perçu également des dons toutes ces dernières années, et il y a un petit peu de trésorerie, alors nous allons voir comment aussi prendre cette trésorerie pour pouvoir tout simplement acheter des produits alimentaires et aider ces jeunes qui sont en difficulté. Ensuite, nous allons mettre en place une équipe et ce projet qui est actuellement en train d'être écrit, nous allons ensuite de nouveau vous le présenter. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut que ça se réalise dans 3 mois. C'est quelque chose qui se met en place dans 15 jours. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être rapide, etc. Oui, mais il y a des gens qui ont faim aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr qu'ils attendent 3 mois, vous voyez. Alors, bien sûr, il y a des associations, il y a des choses qui se font.
Mais je crois que notre rôle également, ce n'est pas parce qu'il y a des associations diverses et variées sur cette ville qui apportent une aide, et tant mieux s'ils le font, que nous, on ne doit rien faire. Frères et sœurs, nous devons sortir, il me semble, de ce contexte dans lequel et de cette mentalité dans laquelle nous sommes nés parfois. Moi, quand je me suis converti, c'est ce qu'on prêchait dans les premières églises dans lesquelles j'étais. Je disais, mais il y a de la misère autour de nous. Il faut apporter notre soutien, etc. Et moi, des pasteurs me répondaient, écoute, ça ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est la parole de Dieu. Il y a le secours populaire, il y a le secours catholique, J'ai dit, mais nous, notre rôle, moi, j'ai vu la parole où la Bible nous dit, mais si Jésus nous dit, si tu vois quelqu'un qui a faim, tu lui donnes à manger, si tu vois quelqu'un qui a soif, tu lui donnes à boire, si tu vois quelqu'un qui a besoin d'être habillé. Je crois qu'il y a un minimum. Alors, je ne dis pas qu'il faut tomber dans le social et tomber dans l'activisme. Il y a un équilibre avec ça. Mais comme je vous l'ai dit, je suis un peu rodé dans l'histoire depuis quelques dizaines d'années. On a fait beaucoup de social, on a vu les travers, mais on a vu aussi les bienfaits. Donc nos expériences, pour aujourd'hui, doivent nous amener à trouver l'équilibre de la parole de Dieu et amener ce travail afin de pouvoir faire du bien. Je précise simplement une chose, que faire du social, ce n'est pas faire de l'évangélisation. L'évangélisation est une chose, le social est autre chose. On ne fait pas du social pour évangéliser. Ça, il faut que ça rentre dans notre tête. On n'est pas là pour tromper les gens. Si vous voulez donner à manger à quelqu'un, donnez à manger à quelqu'un. Ne demandez pas à quelqu'un de venir pour lui dire « On va te donner à manger, mais avant de manger, on va te donner un testament ou une Bible, ou etc. » On n'est pas là pour tromper les gens. Personnellement, ce que j'ai compris dans ce domaine-là, c'est que plus que de dire aux gens des choses concernant l'Évangile, nous devons montrer l'Évangile. Et vous savez, ce qui va toucher les gens lorsqu'ils vont venir prendre un sac ici, c'est pas qu'on va peut-être, qu'on aurait mis un Nouveau Testament, parce qu'on n'en mettra pas. Puis si j'en vois, je les enlève. Non, mais je vous assure, je suis très sérieux avec ça. Parce que c'est une très mauvaise façon de faire de l'évangélisation. On est là pour manifester l'amour. On est là pour manifester notre compassion. On est là pour manifester notre écoute. Ce qui touche les gens, ce n'est pas que vous mettez un Nouveau Testament. Ce qui va toucher les gens, c'est que vous allez les accueillir avec amour. C'est que vous allez les accueillir avec un sourire. C'est que vous n'allez pas être des râleurs. De toute façon, il n'y a pas de râleurs ici. Mais vous allez les accueillir avec beaucoup d'aisance, voyez, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'écoute. On va être à leur disposition. Ça touche les gens aujourd'hui. Dans la misère dans laquelle notre société et notre génération se trouvent, ils ont besoin d'hommes et de femmes qui les écoutent, plutôt que d'hommes et de femmes qui leur parlent. Alors vous allez me dire, il est bizarre ce pasteur, il ne veut pas faire en sorte que les gens soient sauvés. Si, je veux faire en sorte que les gens soient sauvés. Mais on ne peut pas obliger les gens à venir à l'Évangile. Il faut que ce soit l'Évangile qui touche leur cœur. Et l'Évangile, ce n'est pas un message. L'Évangile, ce sont des hommes et des femmes qui sont remplis de Jésus et du Saint-Esprit et qui manifestent la grâce, la miséricorde et l'amour. Alléluia. Alors souvent, je dis ceci et je le répète encore là, arrêtons d'évangéliser avec notre bouche. Évangélisons avec notre attitude, notre cœur, notre comportement. Et vous verrez qu'on va gagner beaucoup plus d'âmes de cette manière-là. Il y a trop de personnes. Non, ça, j'en parlerai tout à l'heure. Allez, parce que je suis encore dans les annonces, vous allez me dire que c'est long, mais c'est vrai, c'est long aujourd'hui pour les annonces, j'ai besoin d'annoncer plusieurs choses et je voulais prendre du temps pour cela et je raccourcirai le message. De toute façon, on est là jusqu'à 14h, donc tout va bien. Alléluia. Une information justement importante, très pratique, mais je suis obligé d'en parler aussi. On a plusieurs personnes qui se rajoutent dans nos services et il y a plusieurs personnes qui s'impliquent dans différents domaines pour pouvoir justement nous aider à travailler et à œuvrer. Et nous aurions besoin de fournir à ces personnes-là les clés de l'Église. Mais avant d'en redupliquer, nous sommes rendus compte avec les listes qui nous ont été données dernièrement que plusieurs, en fait, ont les clés de l'Église, mais ne les utilisent plus depuis des mois et des mois. Donc, j'aimerais vous solliciter, s'il vous plaît, de bien vouloir, vous qui avez des clés que vous n'utilisez pas actuellement, quel que soit l'accès,
de bien vouloir nous les ramener. Vous pouvez les mettre dans la boîte aux lettres. Vous mettez votre nom dessus, comme ça, nous, ça nous permet de vous enlever de la liste. Bien entendu, si demain ou après-demain ou dans quelques mois, vous réintégrez un service ou les choses changent au niveau du Covid et que les choses sont différentes et que de nouveau, vous aurez besoin des clés, on vous redonnera les clés, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, nous en avons besoin. Vous savez que c'est des clés qui ont quand même un certain coût. Donc, avant d'en refaire faire, eh bien, je voulais solliciter tous ceux et celles. Faites passer le message également autour de vous. J'enverrai un mail prochainement également pour cela, afin de pouvoir eh bien, récupérer le maximum de clés, que nous puissions les redonner à ceux qui, chaque semaine, ont besoin d'être là pour différents services. Là aussi, merci de votre compréhension. Voilà. Et puis, deux dernières annonces. La première consiste à vous annoncer le dimanche de la découverte de l'Évangile que nous aurons donc le dimanche 4 avril pour Pâques, vous en souvenez, avec un temps gospel, avec un temps flash au niveau du message également de l'Évangile, un programme vraiment orienté pour que les personnes qui ne connaissent pas justement l'Évangile, eh bien là, il y aura un message approprié pour cela. Alors, je répète, inscrivez-vous en priorité si vous venez avec... Je n'ai pas compris. Avec quelqu'un, un invité, une personne nouvelle. Voilà. Donc, toute la semaine, du lundi au vendredi, on va réserver le fichier des inscriptions pour vous qui allez inviter vos amis, vos voisins, vos familles, etc. etc. Et puis, si le vendredi, nous voyons que vous voyez qu'il y a encore de la place, eh bien, inscrivez-vous, bien entendu, et vous pourrez, vendredi, samedi, participer à ce dimanche. Mais vous comprenez que nous laissons prioritairement la place aux personnes nouvelles. Amen. Voilà. Et puis une dernière annonce un peu plus triste. Nous avons appris cette semaine le décès de notre sœur Laurette Sergent. Nous avons fêté ses 100 ans début janvier et elle est partie dans la paix du Seigneur rejoindre la patrie céleste. Elle a juste déménagé. Normalement, on devrait la revoir bientôt. Alléluia! Et oui, c'est ça l'espérance chrétienne, c'est de savoir que les gens ne nous ont pas quittés indéfiniment, ils ont juste déménagé pour un temps. Elle ne paye plus de loyer, plus d'impôts, plus de charges, plus rien. Elle nous attend et quelque part, elle nous dit « Allez, bientôt, on va se retrouver ensemble ». Alors, les obsèques auront lieu ici dans cette salle ce jeudi à 10h. Nous commencerons également... cette cérémonie par Internet, puisque nous sommes limités à 30 personnes pour une cérémonie d'obsèques, pas plus. Donc vous comprenez que nous allons donner la priorité à la famille, bien entendu. Il y a, pareil, une inscription qui est faite pour eux, et en fonction du nombre, eh bien, peut-être que quelques frères et sœurs ou quelques amis seront sollicités directement par la famille, c'est-à-dire les personnes qui étaient proches de notre sœur, qu'elle connaissait, qui la visitaient ou autre. Mais pour vous tous qui souhaiteriez suivre cette cérémonie d'obsèques, nous allons mettre en place une connexion Zoom privée avec les mêmes coordonnées que nous avons pour les dimanches matins ou les mardis. D'accord ? Ça sera le même numéro. Vous pourrez vous connecter, je dis bien Zoom, pas sur YouTube. D'accord ? Ce ne sera pas une connexion publique, ça sera une connexion privée. Vous n'avez pas besoin d'application, vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Vous avez normalement dû recevoir dans la nuit un mail qui est parti avec toutes les informations. Vous pourrez suivre cette cérémonie soit par téléphone, soit avec une tablette, soit avec un ordinateur, soit également, si vous n'avez pas Internet, simplement avec votre téléphone, vous avez un numéro à appeler, un ou deux codes à rentrer et vous serez directement connecté ici jeudi matin à 10h. Nous commencerons la connexion à partir de 9h45 pour que vous puissiez faire des essais. D'accord ? Donc nous avons ouvert cette possibilité parce que même au niveau de la famille, des personnes sont au loin, soit en France, soit en Algérie, par exemple, et ne pourront pas se déplacer. Donc, on leur a donné aussi la possibilité de pouvoir suivre ces moments par Internet. Voilà. Merci de prier pour cela. Les obsèques auront lieu à partir de 10h, et ensuite, l'inhumation aura lieu au cimetière de Laon à 11h.
voilà, avec les services en question. Merci de prier pour la famille et merci de prier également pour la cérémonie qui sera célébrée ici. C'est l'occasion d'annoncer là aussi un message d'espérance. Et dans cette famille, comme dans bien d'autres familles, il y a besoin d'annoncer un message d'espérance. Alors, je compte sur votre soutien et je compte sur vos prières pour que le Seigneur conduise également ces instants et ces moments. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Tiens, Laurie, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît, pour présenter ces moments au Seigneur maintenant? Et puis, on ouvre ensemble la parole de Dieu. Pardon d'avoir été aussi long au niveau des annonces, mais voilà, il y avait des choses importantes. Je ne les fais pas tous les dimanches aussi longuement, mais il était important que vous puissiez noter tout cela pour les semaines qui viennent. On prie ensemble, s'il vous plaît, et puis nous ouvrons ensemble la parole de Dieu maintenant. Seigneur, merci. Tu as préparé le cœur de ton serviteur pour annoncer ta parole. Seigneur, je te prie maintenant de préparer nos cœurs, Seigneur, à pouvoir recevoir cette semence, Seigneur, travailler, Seigneur, cette argile, Seigneur, afin qu'elle soit, Seigneur, capable, qu'elle soit prête, Seigneur, à recevoir, Seigneur, cette grâce. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, à nouveau, Seigneur, encore aujourd'hui, ta parole est puissante, elle dit qu'elle est vérité. Et Seigneur, je te prie qu'elle agisse encore ce matin au milieu de nous. Merci, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le thème ce matin, que nous verrons certainement en deux parties simples, pourquoi sommes-nous venus dans ce monde? Savez-vous pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Pourquoi sommes-nous arrivés sur cette terre? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Avez-vous remarqué combien et comment vivent les gens qui ont un but? Avez-vous remarqué comment ils vivent? Les gens qui ont un objectif dans leur vie, les gens qui ont un but dans leur existence, ils vivent en fixant ce but, en fixant cet objectif et en mettant en place dans leur existence tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'il faut pour que ce but soit réalisé. Est-ce que vous avez remarqué autour de vous des gens qui vivent sans but? Comment ça se passe? Des gens qui vivent sans objectif. Tous les matins à 6h30, ils sont debout. Hello? C'est comme ça que... Non. Non, vous avez vu des gens qui vivent sans objectif? Des gens qui vivent sans but, qu'est-ce qui se passe? On ne se lève pas le matin, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans la journée, rien n'est orienté vers des objectifs précis, on est là dans l'attente, on pense que c'est à la vie de nous apporter tout ce qu'on a besoin, on réclame des autres ce qu'on pourrait faire nous-mêmes, etc. On a deux conceptions, deux façons de vivre complètement différentes. Pourquoi je vous parle de cela? Je vous parle de cela parce que si nous trouvons cela sur notre vie personnelle, si nous trouvons cette façon de fonctionner dans notre vie professionnelle aussi, on voit cela. Si on voit cette façon de fonctionner dans une vie de couple, dans une vie familiale, eh bien, nous trouvons également ces mêmes types de fonctionnement dans l'Église. C'est-à-dire au travers de croyants, au travers de chrétiens, où certains ont des objectifs, ont des buts, et d'autres, pas du tout. Pas du tout. On en a parlé un petit peu ces dernières semaines quand on a parlé des dons, des talents, des capacités que Dieu était en capacité justement de nous donner pour nous enrichir nous-mêmes. Non. Pour nous faire prévaloir par rapport aux autres. Non. Pour servir son royaume. Hello. Pour servir son royaume. Donc, si nous comprenons à cela, nous réalisons que la Bible nous enseigne qu'en fait, il y a des buts précis que les chrétiens doivent comprendre dans l'Écriture, afin de pouvoir converger ensemble vers ce que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous. Rien n'a été fait au hasard. Est-ce que vous croyez cela? Rien n'a été fait au hasard. Regardez dans Colossiens, au chapitre 1er, au verset 16. Il est dit ceci. L'apôtre dit aux Colossiens, « Car en lui, donc en Dieu, en Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre, les visibles comme les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen.
Est-ce qu'on ne s'est jamais posé cette question ? Pourquoi je suis dans ce monde ? Pourquoi suis-je là sur cette terre ? Pourquoi je suis là dans ce pays ? Pourquoi je suis dans cette ville ? Pourquoi je suis dans ce quartier ? Pourquoi je suis dans cette famille ? Pourquoi je suis dans cette église ? Quelle en est la raison ? Quelle est ma raison d'être ? Que dois-je faire ? Plusieurs pasteurs, bien évidemment, avant moi, je n'ai rien inventé, se sont penchés sur la question et ont réfléchi, comme les pasteurs Rick Warren ou Alton Garrison, par exemple, qui était le surintendant des Assemblées de Dieu aux Amériques du Nord, et bien d'autres ont essayé d'aborder cette question essentielle et ils y apportent plusieurs réponses. On va piocher un petit peu dans la Bible, nous aussi, ce matin, pour aller chercher ce que Dieu veut nous faire comprendre. La première chose, il me semble, que nous devons réaliser et bien comprendre, je l'ai dit il y a un instant, c'est que Dieu ne crée jamais rien sans raison. Tout ce que Dieu a créé ici-bas, dans le ciel ou ailleurs, il l'a fait avec un objectif précis. Chaque astre, chaque galaxie, chaque plante, chaque fleur, chaque arbre, chaque animal dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, chacun ont un but précis. Que nous le comprenions ou pas, tout a un but. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, Dieu avait un objectif lorsqu'il a créé toute chose. Aujourd'hui, nous ne faisons que découvrir, nos chercheurs, nos scientifiques, nos médecins, ceux qui ont des cerveaux à 12 étages, ne font que, en fait, découvrir ce que Dieu, au départ, a créé. Et pourquoi il l'a créé ? Vous avez compris que depuis des décennies, en fait, on n'invente rien. Les gens disent qu'ils inventent, mais la vérité, c'est qu'on ne fait que découvrir des choses que Dieu a données à l'être humain afin de le mettre en forme d'une certaine manière. Par conséquent, si chaque être vivant a été créé avec un ou plusieurs objectifs bien distincts, il me semble que je peux dire ce matin sans me tromper que si nous sommes vivants aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens vivants au milieu de nous là ce matin ? Il y en a quelques-uns qui sont là ? Amen, ouais, ça nous évitera de faire venir les services pour... Donc pour la plupart d'entre nous, on est tous vivants ce matin, on est là, d'accord ? On respire, il y a de la vie. Donc sans me tromper, je pense que je peux dire que si nous sommes vivants aujourd'hui et que nous suivons ce message ici ou au travers de la vidéo, cela veut dire que pour aujourd'hui, Dieu a un objectif pour notre vie. Hello ? Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Il a quelque chose à accomplir. La Bible, et en particulier, c'est vrai, le Nouveau Testament, nous enseigne que Dieu a ciblé au moins 5 buts. 5 buts précis, essentiels, en nous donnant la vie sur cette terre. Est-ce que vous connaissez ces buts ? Est-ce que vous les avez déjà étudiés ? Ah ben là, vous me faites bizarre. Vous étudiez des fois quand même, vous réfléchissez. Jamais vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je fais ici ? Non, pas moi, là, maintenant. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, sur cette terre ? Pourquoi Dieu nous a sauvés ? Qu'est-ce que la Bible attend de moi ? On connaît souvent des brides, des choses comme ça, mais la réalité, c'est qu'il y a tout un processus, frères et sœurs. Il y a un processus logique que la Bible nous enseigne. Jésus, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin, je vais vous donner quelques directives, mais... Jésus lui-même va nous parler de ces 5 buts en nous faisant comprendre ses préceptes et la mission qu'il nous a laissée sur cette terre. Lui-même, il va prier pour ses objectifs, par exemple dans Jean 17. Il va prier pour ses objectifs qu'il va donner aux disciples et donc à chacun d'entre nous. L'Église primitive également, dans Acte 2, un des principaux chapitres qui nous parle du développement de l'Église, va également les démontrer, ces principes, et nous inciter à les suivre. Je vous incite et je vous invite notamment à lire ce livre extraordinaire sur une Église revitalisée par l'Esprit. Je vous en ai déjà parlé il y a plusieurs mois en arrière, mais je vous invite à lire ce livre-là. Merci. Il y a ici une réflexion profonde sur comment aujourd'hui, en 2021, nous pouvons découvrir comment l'Église primitive s'est développée, comment elle a pu mettre en place ce qui lui a donné sa maturité et sa croissance. Ne nous trompons pas, l'Église primitive de l'époque, elle n'était pas parfaite.
comme nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas une église parfaite. Il y a énormément d'imperfections. Mais l'apôtre va aborder également plus tard cela, notamment dans Éphésiens 2 et dans Éphésiens 4. Il va reprendre cet enseignement et il va les aborder dans ses différentes épîtres. Pourquoi je vous parle de cela ? Parce que si la Bible nous relate autant de fois ces cinq buts essentiels, eh bien c'est que nous devrions, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, apprendre à connaître afin de comprendre pourquoi nous sommes ici-bas aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Alors, quels sont ces buts ? On commence par le premier. Il me semble que la première des choses, c'est que nous avons été créés pour réjouir Dieu au travers de la louange de notre vie. La louange. Pour moi, la louange, c'est plus qu'un style musical, voyez. La louange, ce n'est pas ce que nous faisons le dimanche matin simplement. C'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus qu'une expression que nous avons au travers de quelques musiciens ou quelques choristes. Personnellement, je considère que la louange, c'est un style de vie. C'est une façon d'être. Depuis que j'ai été saisi par Jésus-Christ, qu'il m'a montré la noirceur de mon péché et qu'il m'a sorti de là où j'étais, je suis rentré dans une vie nouvelle avec lui. Avant la louange, je ne savais pas ce que c'était. Mais lorsque j'ai découvert ce que Christ faisait dans ma vie, à partir de ce moment-là, quelque chose de nouveau a pris place. Et ma vie, pas tout de suite, mais au fur et à mesure, et encore aujourd'hui, se développe. Et ma vie devient un style de louange, un style de vie, un style de comportement. La louange, c'est tout ce que nous sommes et ce que nous faisons lorsque nous sommes en accord avec Dieu. Et je crois que notre vie entière est censée être une vie de louange à l'honneur de son nom, non ? La louange, ce n'est pas simplement quelque chant que nous faisons le dimanche, on est d'accord ? Ou que nous écoutons de temps en temps dans la radio, à la radio, ou dans la voiture, ou ici ou là. Non, c'est beaucoup plus que cela. Comprenons, frères et sœurs, que Dieu est le Créateur qui nous a donné la vie pour une raison essentielle. Dieu t'a donné la vie pour qu'il puisse se réjouir au travers de toi. Vous allez dire, mais comment Dieu peut-il se réjouir ? Mais oui, Dieu ne nous a pas créés, lui le Créateur, pour qu'ensuite il nous déteste. L'objectif que Dieu a eu lorsqu'il a créé la créature, c'est de pouvoir se réjouir au travers de nous. C'est-à-dire de pouvoir passer sa pensée, son œuvre, son plan, ses projets, afin que, comme Jésus, nous puissions le saisir, le comprendre, le vivre, et qu'au travers de notre application et de notre cœur, Dieu se réjouisse de voir ses enfants marcher dans sa volonté. Hello ? Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse. Dans Apocalypse, au chapitre 4 et au verset 11, la Bible nous dit « Tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Chers amis, frères et sœurs, vous qui nous suivez là, si vous avez des enfants, ou si vous avez des petits-enfants, est-ce que vous ne trouvez pas du plaisir à les regarder vivre ? Normalement, on doit se réjouir. Moi, il y a quelques semaines, j'ai vu mes enfants, et même si des fois c'est fatigant parce qu'on n'a plus le même rythme, hein, mais on se réjouit, on voit la vie, et même si parfois on dit « mais pourquoi il ou elle me ressemble autant ?» Vous allez m'arriver ça ? Pourquoi il ou elle a pris autant de mes défauts ? Mais au-delà de cela, on les voit et on se réjouit de voir cette progéniture, de voir ses enfants, ses petits-enfants. Mais c'est exactement la même chose pour Dieu.
Vous savez, lorsque le Seigneur nous voit, il a du plaisir à nous regarder, il a du plaisir à nous voir. Lorsque nous comprenons ce qu'il veut accomplir, lorsque nous marchons dans sa volonté et que ses plans s'accomplissent dans notre vie, quand il regarde sur la terre, il dit « Tiens, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. » Et il me semble que lorsque nous sommes dans ses plans et ses projets, cela lui accorde de la joie. Pensez que Dieu peut se réjouir ? Moi, je crois que Dieu peut se réjouir. Écoutez, si vous ne retenez rien d'autre ce matin de ce que j'ai pu dire, retenez ceci. Comprenez une chose tellement importante. Personne ici, là, qui est en présentiel, ou qui nous suivait sur les vidéos, qui entendait ce message, comprenons que personne d'entre nous n'est le fruit du hasard. Personne. Je ne sais pas ce qu'on a pu te raconter, je ne sais pas les histoires que tu as pu vivre, je ne sais pas ce que tes parents ou pas ont pu te mettre dans l'esprit. Mais j'aimerais vous dire ce matin et appuyer fort là-dessus, personne n'est le fruit du hasard. Chacun d'entre nous, nous avons été créés comme un sujet de la volonté et de l'amour de Dieu. Si tu es vivant dans ce lieu et si tu es vivant à regarder cette vidéo ce matin, c'est parce que Dieu t'a voulu. Est-ce qu'on peut comprendre ça ce matin ? Peut-être ça peut nous dépasser parce qu'on se dit, mes frères, si vous connaissiez ma vie, si vous connaissiez par où je suis passé, si vous saviez, mais je connais, j'ai tellement entendu d'histoires. Peut-être je ne connais pas particulièrement ta vie et j'aimerais la connaître. J'aimerais en savoir plus. J'aimerais vous dire que ce n'est pas le fruit du hasard qui vous a fait venir sur cette terre. Peu importe la façon dont vous êtes arrivé. Et peut-être que, effectivement, vous n'avez pas été désiré, mais vous êtes venu quand même. Peut-être que vous n'avez pas eu de parents qui vous ont aimé, qui vous ont apprécié, qui vous ont choyé. Peut-être que vous êtes même ressenti, et peut-être que vous le ressentez encore, que votre venue ici-bas, et pendant peut-être votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse, vous vous avez senti rejeté, peut-être même maltraité. Et je peux encore aller plus loin, peut-être même que vous êtes venu sur cette terre à la suite d'un inceste ou d'un viol. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, que peu importe la façon dont vous êtes arrivé sur cette terre, l'important pour Dieu, c'est que vous soyez là. Car Dieu t'a désiré et il t'a aimé avant même ta conception. Est-ce que vous comprenez ça ? Oui, Dieu vous a aimé. Dieu vous a voulu. La Bible dit que Dieu est amour. La Bible ne nous dit pas qu'il a seulement de l'amour. La Bible dit qu'il est amour. Et si vous et moi, nous sommes ici maintenant, c'est parce que Dieu nous aime et qu'il a un plan merveilleux pour ta vie comme pour ma vie. Et peu importe la manière dont tu es arrivé sur cette terre, Dieu a quelque chose pour toi. Alors c'est vrai que certains peut-être diront, mais si Dieu nous aime tant que ça, pourquoi le Covid ? Pourquoi les guerres ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la maladie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi la misère ? Pourquoi l'injustice ? Et puis on pourrait rester tout l'après-midi ici, hein ? On est d'accord ? Est-ce qu'on peut en rajouter là ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Moi, j'aimerais juste vous donner un autre pourquoi. En quoi Dieu est-il concerné par tout cela ? Vous connaissez, vous l'avez peut-être vu, cette vidéo de ce dentiste qui disait à sa patiente que Dieu n'existe pas, tout simplement parce qu'il lui donnait les mêmes arguments. Sa patiente, qui était chrétienne, disait que Dieu existait, que Dieu faisait ceci, que Dieu... Et lui disait, non, moi, je suis dentiste et je vous assure que Dieu n'existe pas. Et il donnait les mêmes arguments. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la maladie. Si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces souffrances. Si Dieu, etc., etc., etc. Et celle-ci lui a répondu, c'est exactement la même chose pour les dentistes, monsieur.
Moi, je suis convaincu que les dentistes n'existent pas. Parce que si les dentistes existaient, eh bien, il n'y aurait pas tant de gens qui souffraient des dents. Et le dentiste de lui répondre, mais vous n'y comprenez rien. Si les gens souffrent des dents, il faut qu'ils aillent voir un dentiste. Nous, on ne peut pas obliger les gens à venir se faire soigner. Et elle de lui répondre, eh bien, écoutez, concernant la foi, c'est exactement pareil, monsieur. On ne peut pas obliger les gens à croire à la création, à croire en Dieu et à comprendre le plan de salut et de ce pourquoi l'être humain est sur terre aujourd'hui. La Bible nous donne des réponses à toutes ces questions. Le diable essaye de créer la confusion pour essayer de nous perdre et je suis parfois tellement triste de voir que même des chrétiens sont perdus. Même des chrétiens n'ont pas de réponse à apporter parfois à nos contemporains en expliquant pourquoi aujourd'hui il y a tant de misère. Il faut aller chercher les réponses que la parole nous enseigne. Ce n'est pas le propos ce matin, on aura l'occasion peut-être d'y aller un jour. Mais la Bible nous explique, par exemple, de manière simple, comment le péché est entré dans l'humanité. Et comment ? Parce que le péché est entré dans l'humanité, il a supprimé la liberté que Dieu avait donnée à l'être humain. La Bible nous donne des informations tellement précises concernant l'orgueil de l'homme, son désir de dominer, de dévaster des générations après générations, tout simplement parce qu'il veut contrôler, gérer. L'histoire n'a pas changé, hein. Depuis 6000 ans que l'être humain est sur Terre, les choses n'ont pas changé. Oui, je dis 6000 ans parce que ça fait 6000 ans que l'être humain est sur Terre. Non, parce qu'on est tellement envahi aujourd'hui de cette pensée de l'évolution qu'on dit, mais ça fait des milliards d'années, des millions d'années que ceci, que cela, etc. Je suis désolé, si vous reprenez la Bible et vous calculez de Adam à aujourd'hui, il y a 6000 ans. Alors on parle de Lucie, on parle des crânes de singes et de tous ces trucs, etc. Mais à un moment donné, il faut juste revenir à ce que la Bible... Alors que la Terre, écoutez-moi bien, que la Terre ait des millions d'années ou des milliards d'années, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je suis en phase totalement avec ça. Qu'il y ait eu des dinosaures, qu'il y ait eu tout... Il n'y a aucun problème avec ça. Aucun souci. Parce que dès les deux premiers versets de la Genèse, ben, vous réalisez que lorsque la Bible nous dit que la terre était informe et vide, et qu'ensuite Dieu créa les choses, etc., eh bien, on ne sait pas combien de temps il y a eu entre le premier verset et le deuxième verset. Il y a pu peut-être avoir 1000 ans, comme il y a pu peut-être avoir des millions ou des milliards d'années, c'est ce que les scientifiques chrétiens nous disent aujourd'hui. Donc, que la terre ait des milliards d'années ou des millions d'années, aucun problème. Mais d'aller chercher un homme de Cro-Magnon, d'aller chercher cette transformation du... Je vous en ai parlé il y a quelques mois, hein, n'est-ce pas, hein. On a le singe, on a l'homme. Tous ceux du milieu, ils ont disparu. On ne les trouve pas, voilà. Mais on nous fait croire, dans nos livres d'histoire encore aujourd'hui, que, voilà, il y a une évolution. Non, il n'y a pas d'évolution. Il y a une création. Il y a une création. Dieu est le Créateur. C'est lui qui détient la vie et il la détiendra à toujours. Les hommes cherchent la vie. Google a lancé le projet de détruire la mort. Non, je suis sérieux. Ils investissent des milliards de dollars aujourd'hui pour éradiquer la mort. Éradiquer la maladie, éradiquer la mort, vivre éternellement, etc., etc. La réalité, c'est que le seul qui peut nous faire vivre éternellement, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et sincèrement, quand je vois comment on vieillit et toutes les souffrances et les douleurs qu'il y a, et vous verrez quand vous aurez mon âge, eh bien, je me dis vieillir comme ça et vivre éternellement comme ça, c'est pas top, hein. Par contre, ça, c'est pas Google, c'est Jésus. Jésus a dit, lorsque moi je vous prendrai, votre corps là qui vous fait souffrir, qui vous fait mal, tout cela, moi je vais le régénérer.
je vais transformer votre corps. Vous allez voir, de ce corps corruptible dans lequel vous êtes aujourd'hui, je vais le transformer en un corps incorruptible. Vous savez ce que ça veut dire, incorruptible? Ça veut dire que rien ne pourra l'atteindre. Alléluia. Rien ne pourra le faire souffrir. Rien ne pourra l'atteindre de quelque manière que ce soit. Plus aucune maladie, plus aucune souffrance. La mort sera éradiquée. Mais ce n'est pas Google qui va le faire. C'est Jésus en détruisant Satan. Alléluia. Et l'ennemi essaye de mettre dans l'esprit de nos enfants, de nos ados, de nos jeunes, et même des chrétiens, pareil, parfois, une autre philosophie, une autre pensée, des doutes, une forme d'incrédulité. Revenons à la parole de Dieu. La terre peut avoir des milliards d'années, des millions d'années, il n'y a aucun problème avec ça. Mais l'être humain a 6000 ans. D'ailleurs, nous arrivons au terme des 6000 ans. Et le dernier millénaire qui reste, c'est celui que nous trouvons dans l'Apocalypse. Là, je suis complètement en dehors du message que je voulais vous apporter ce matin. Donc, je vais essayer de revenir au truc. Et vous savez que le diable va être lié pendant 1000 ans. Vous avez entendu parler de cette histoire-là. C'est pour ça que quand les gens nous disent que nous, les évangéliques, on est des églises apocalyptiques parce qu'on parle de la fin du monde, etc., c'est juste erroné, c'est faux. Nous n'avons pas un message apocalyptique. Pourquoi ? Parce que nous ne parlons pas de la fin du monde dans le sens où ce qui doit arriver là prochainement, ce n'est pas la fin du monde. Avant la fin du monde, il y a au moins 1000 ans encore à attendre. Donc, tu as le temps de prendre des pilules encore. Il y a un moment encore avant que ça se passe. Mais par contre, avant ces 1000 ans, il y a des événements importants qui doivent arriver. Très importants. Que croyants ou non-croyants vont tous voir. En un instant, la Bible nous dit que Jésus va revenir enlever son Église. Qu'il va y avoir des temps de tribulation. Il va y avoir sur cette terre des choses encore pires que le Covid. Pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La Bible nous enseigne que même un tiers des espèces vivantes vont disparaître. Les choses sont là, se mettent en place. Ce qui est écrit s'accomplit. Nous sommes une génération particulière, frères et sœurs. Nous sommes en train de voir des prophéties bibliques s'accomplir sous nos yeux. Et je suis étonné de me rendre compte que beaucoup de croyants baissent la tête et font mine de dire, d'être surpris, d'être dans l'incompréhension, d'être dans la misère, d'être dans... Et frères et sœurs, c'est écrit. Nous savons que l'Église ne doit pas être cette Église soi-disante comme on entend parler aujourd'hui dans la prospérité. Cette Église qui doit dominer la terre. Vous avez entendu parler du dominionnisme ? C'est en train de ressurgir aujourd'hui. Oh, c'est un mot un peu compliqué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les croyants, selon certaines théologies évangéliques, eh bien, ne devraient jamais souffrir, ne devraient jamais être malades, ne devraient jamais être pauvres, devraient dominer dans tous les domaines. Mais si c'était vrai, alors moi j'ai plein de pages dans ma Bible, je ne sais pas la vôtre, mais même dans la Bible Esprit et Vie que j'affectionne, il y a plein de pages à arracher. Ben oui, parce que quand je vois par exemple la vie de l'apôtre Paul, oui, il a vécu dans l'abondance, il l'a dit. Mais alors qu'est-ce qu'il a ramassé aussi Et puis dans les prisons, et puis dans la famine, et puis que dire de Jean sur l'île de Patmos, exilé, et puis de Pierre, et puis d'autres, Jacques, et puis ceux à qui on a coupé la tête, ceux à qui on a... Quand les lions n'avaient rien à manger, qu'il fallait les nourrir avec des chrétiens parce qu'ils en étaient meilleurs. Alors voyez, il y a toutes sortes aujourd'hui de... philosophie, toutes sortes de nouvelles théologies, il y a toutes sortes de choses à droite et à gauche. Frères et sœurs, veillez. Veillez. Attachez-vous à la parole de Dieu. Lisez, méditez la parole. Et ne vous laissez pas, excusez-moi l'expression, dévergonder par même des amis chrétiens, même des gens qui étaient à l'église peut-être avant, qui ont ouvert leur petit groupe à droite, à gauche, parce que chacun se sent appelé aujourd'hui, chacun a un appel, soi-disant, au ministère, chacun s'auto-proclame, chacun veillez à tout cela. Attachez-vous, vous, à rester vraiment liés à Jésus-Christ et à travers
sa parole. Alors c'est pour cela que Dieu a voulu, depuis plus de 2000 ans maintenant, que nous apprenions à le connaître, notamment au travers de la venue de Jésus, que nous le connaissions et que nous apprenions à l'aimer toujours davantage. Et cela veut dire que l'un des buts les plus importants dans notre vie est d'apprendre à le connaître, lui, le Seigneur, et de l'aimer. Alors, c'est quoi connaître Dieu aujourd'hui, à votre avis? Comment se traduit le fait de dire je connais Dieu? Est-ce que c'est avoir une religion? Est-ce que c'est venir simplement à l'église? Même si on pousse plus loin, est-ce que connaître Dieu, c'est simplement de dire je lis ma Bible, je prie, je chante? Personnellement, je crois que connaître Dieu, c'est apprendre à savoir qui il est vraiment. Quelles sont ses attentes pour notre vie? Quels sont les désirs de Dieu, ses projets pour nous, afin que nous soyons heureux? Oui, parce que le secret du bonheur, quelque part, il est là. Le secret du bonheur, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Quand nous accomplissons la volonté de Dieu, nous touchons au bonheur. Même lorsque la vie est difficile, même quand il y a des combats, même quand il y a des luttes, même quand il y a des moments compliqués ou difficiles, parce que nous sommes dans sa volonté, alors nous sommes heureux. Apprendre qui il est vraiment. Si je vous posais la question ce matin, est-ce que vous connaissez Emmanuel Macron? Alors peut-être que certains vont me dire, oui, bien sûr qu'on le connaît. Mais la réalité, c'est que personne d'entre nous le connaît vraiment. Enfin, à moins que vous ayez eu un jour un entretien particulier avec lui, moi non. Mais alors on en a entendu parler, bien sûr, on l'entend, on le voit à la télévision, sur Internet, etc. Mais personne d'entre nous, il me semble, avons eu un entretien particulier. La réalité, c'est que, par exemple, nous ne connaissons pas cet homme. Nous avons simplement eu et vu des informations, nous voyons des actions, nous voyons et nous connaissons au travers de ce qui se fait, un trait de sa personnalité, etc. Mais vous voyez, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants en général ont la même connaissance de Dieu, même dans l'Église. Ils n'ont fait que d'entendre parler de Dieu. Ils ne font qu'entendre des témoignages sur ce que Dieu a fait ou aurait fait. Ils ont lu des histoires à propos de Dieu, à propos du Seigneur. Mais ils ne le connaissent pas intimement. Le Seigneur ne veut pas que nous sachions seulement qui il est, ce qu'il est capable de réaliser, ce qu'il a fait ou ce qu'il fera. Mais ce qu'il souhaite, c'est qu'ensemble nous puissions développer une vraie relation d'intimité avec lui, une vraie relation d'amitié avec chacun d'entre nous. Pourquoi ? Est-ce que c'est si important? Tout simplement parce que, pour en revenir à notre titre de ce premier point, je vous ai dit qu'on était là jusqu'à 14 heures, la chose la plus importante dans notre vie, c'est quoi? Bien, c'est d'apprendre, premièrement, à vivre en démontrant chaque jour par nos pensées, nos attitudes, notre comportement, nos actions, que nous aimons vraiment le Seigneur. Et pas simplement le dimanche matin entre 10h et midi, mais chaque jour. Dans Matthieu, au chapitre 22, vous connaissez ce verset, au verset 37, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. » L'épître de Paul à Timothée nous dit même que certains ratent parfois la chose la plus importante de leur vie, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Alors il y a ce mot pour exprimer notre amour envers Dieu qu'on a cité tout à l'heure, c'est le mot « louange ». Parce que louer, c'est exprimer son amour pour Dieu en vantant ses mérites. Louer, c'est vivre une vie qui plaît véritablement au Seigneur. Donc si je résume ce premier point, je dirais que le tout premier objectif de notre vie ici sur Terre, pourquoi nous sommes là, c'est d'apprendre à connaître Dieu au travers de Jésus-Christ pour le louer par notre vie afin de lui être agréable et de le glorifier.
Est-ce que vous êtes d'accord pour ce premier point? Amen. Alors on peut se poser la question. Où en sommes-nous ce matin de notre amour pour Dieu? Le connaissons-nous suffisamment pour manifester notre amour ou sommes-nous plutôt de ceux qui entendent parler de lui sans jamais vraiment approfondir finalement cette relation? Est-ce que notre vie est vraiment toute la semaine une louange à sa gloire? Je vous laisse répondre à ces questions. Le deuxième point, et nous nous arrêterons là ce matin, c'est que nous avons été créés pour faire partie de sa famille. Tout comme la louange plaît à Dieu, parce qu'il veut que nous l'aimions, la communion fraternelle avec d'autres croyants fait aussi partie de son plan et réjouit son cœur. Nous n'avons pas été créés pour vivre tout seuls à la maison. Nous n'avons pas été créés pour être des sans-église fixe. Nous avons été créés pour faire partie de la famille de Dieu. Et ça, son plan, c'est le plan de départ. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 5. La Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. La Bible en français courant nous dit « Dieu s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. » Cela veut dire que depuis le départ, le plan de Dieu a toujours été celui de t'adopter, toi, moi et chacun d'entre nous, dans sa famille. Oui, parce que Dieu a une famille, bien sûr. Et c'est Jésus qui a inventé l'Église pour rassembler la famille. L'Église, ce n'est pas une invention humaine. Vivre notre foi sans être attaché à une Église locale n'a jamais été et ne sera jamais le plan de Dieu pour l'être humain. Quels que soient les arguments que nous pourrions apporter, je dirais même, puisque je suis d'accord, aussi imparfaite que l'Église puisse être depuis 2000 ans, l'Église, elle l'a été par le passé. L'Église, elle l'est malgré tout encore aujourd'hui. Et l'Église, elle le sera jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que nous le voulions ou non, l'Église n'est pas une affaire d'homme, l'Église c'est l'affaire de la volonté de Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ pour instaurer l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'Église, malgré tous les détracteurs que nous pouvons entendre aujourd'hui ici ou là, n'a jamais été la volonté d'une volonté humaine. Mais Christ a voulu créer un environnement sécurisé. Pour faire quoi ? Mais tout simplement pour nous aider, une fois que nous découvrions le Christ, à nous laisser façonner, à nous laisser grandir dans la maturité spirituelle, les uns avec les autres, afin que, ensemble, malgré nos imperfections, nous puissions être prêts à partir le jour où il viendra nous chercher. C'est à ça que ça sert l'Église. À quoi d'autre ? À être un club ? À faire des activités ? C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est un endroit normalement sécurisé. Je dis sécurisé, pourquoi ? C'est comme la famille. Dans une famille, vous connaissez une famille parfaite ? Où il n'y a jamais de problème ? Je discutais encore avec quelqu'un qui me disait, je ne comprends pas. Il me dit, mais Emmanuel, je ne comprends pas. On a élevé nos trois enfants pareil. Il n'y en a pas un qui est pareil. Ben, j'ai dit, bienvenue au club. Je dis, parce que nous, c'est pareil. On a essayé de donner, même si ce n'est pas tout à fait exact, la même éducation, même si on s'est un petit peu élargi à la fin. Oui, je sais, il y en a qui me disent des fois, ce n'est pas juste, hein, parce que alors, alors quand on est l'aîné, il y a des restrictions, on n'a pas droit à ci, on n'a pas droit à ça. Quand il y a un deuxième, ben lui... Puis alors, quand il y a un troisième, voire un quatrième, alors là, les délais sont explosés... Les âges qui étaient pour un téléphone portable, pour ceci, pour cela. On a eu tout ça. Ça parle là à quelqu'un, non ? On a vécu ça aussi. Mais la réalité, c'est que chacun a sa personnalité, chacun a son caractère, chacun va,
va prendre les choses d'une manière ou d'une autre, etc. Et donc, dans une famille, c'est sécurisé parce qu'on n'est pas parfait. Et parfois, il y a des choses qui se passent qui font mal, qui nous frustrent, qui nous blessent. Et on a besoin aussi, au sein de la famille, eh bien, de se réconcilier, de se demander pardon. On a besoin... Sinon, la famille, elle part en éclats. La famille, elle est brisée. On casse et on brise les relations. Frères et sœurs, l'Église, c'est la même chose. Qui vous a mis dans l'idée que parce qu'on était aujourd'hui des chrétiens et qu'on faisait partie de la famille de Dieu, on devenait des gens parfaits? Qui a pu mettre une telle stupidité dans votre tête? Où elle est la perfection? Lorsque notre corps corruptible deviendra incorruptible, nous serons parfaits. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi le premier, je ne suis pas parfait. Moi le premier, je peux vous insatisfaire. Moi le premier, je peux vous blesser. Moi le premier, je peux vous frustrer. Et avec la suite du message, je pense que je vais vous frustrer. Moi le premier, je peux avoir des torts. Pourquoi ? Parce que avant d'être pasteur, avant d'être ce que vous voulez, nous sommes des hommes et des femmes imparfaites, mais que Dieu a sauvés par grâce. Et je pense que vous êtes comme moi. On est tous de cette nature humaine. On a tous cet espoir, ce désir, cette envie de vivre des choses, de faire des choses selon le plan de Dieu. Et on a tous ce combat intérieur où on n'y arrive pas. Oui ou non? On n'est pas mieux que l'apôtre Paul qui disait qu'en lui, il y avait ce combat terrassant qui faisait qu'il avait envie de faire des choses pour le Seigneur. Et puis, c'était les choses qui étaient négatives, les choses qui étaient mauvaises qu'il faisait au lieu d'accomplir la volonté du Père. Mais est-ce que c'est une raison pour se taper sur la poitrine et de dire qu'on est des gens mauvais, méchants et que finalement on ne sert à rien et que Non, on a juste besoin de comprendre qu'il y a des choses que Dieu nous a données pour grandir, pour évoluer dans la famille. Vous savez, une des pensées les plus mal comprises dans la vie chrétienne, c'est qu'on a cru que lorsqu'on parlait de Dieu, on parlait de vie spirituelle, eh bien, il s'agissait essentiellement que de foi, d'espérance, de croyance, mais Dieu va beaucoup plus loin que cela. Si vous affinez la parole de Dieu et que vous parlez de ce sujet-là, Dieu va tout simplement nous dire, mais non, vous n'êtes pas que des croyants, vous êtes devenus des membres de ma famille, dit Jésus. Est-ce qu'on peut comprendre ça ce matin? On n'est pas simplement que des chrétiens, on n'est pas simplement que des croyants, nous sommes devenus des membres à part entière de la famille de Dieu. On a une identité. Et ce rôle de membre n'est pas une inscription sur un registre d'église. Ce n'est pas parce que vous êtes enregistré ou pas à MCE que vous êtes des membres de la famille de Dieu. Pardon de le dire. Ce n'est pas un registre informatique ou papier qui fait parce qu'il y a une croix, parce qu'on reçoit une lettre tous les ans pour une assemblée générale, que nous sommes des membres. Je ne parle pas des membres d'une association, vous comprenez ce que je veux dire? Je parle des membres d'une famille de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait de moi un membre? Le rôle que je joue dans l'Église. Quand je parle de rôle, je ne parle pas d'imiter, vous comprenez ce que je dis? Je ne parle pas d'être quelqu'un d'autre que ce que je suis. Non, le rôle que Dieu me donne, la place que Dieu me donne, le don, le talent, ce que Dieu veut que je puisse accomplir, c'est ça qui va faire de moi un membre à part entière de la famille de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué combien de fois dans le Nouveau Testament l'expression « les uns et les autres » sont utilisées? Plus d'une cinquantaine de fois. Cette expression revient. Saluez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Prenez soin les uns des autres. Encouragez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, etc., etc., etc. Dieu veut que nous prenions soin de sa famille. Est-ce que je peux vous dire ça ce matin? Dieu désire que nous prenions soin de sa famille. Et tu fais partie de la famille de Dieu. Je fais partie de la famille de Dieu. Et au risque peut-être de vous déplaire, mais il y a des chrétiens qui font partie d'autres églises, sur Reims et ailleurs, qui font aussi partie de la famille de Dieu.
y a eu des frictions, il y a eu des souffrances, il y a eu des divisions, il y a eu des blessures, il y a eu du mensonge, il y a eu de la réconciliation. Certains chrétiens ont accepté de se réconcilier, d'autres ne l'ont pas voulu. C'est le choix à chacun. Chacun, nous sommes libres. Mais la réalité, c'est que Dieu veut que nous prenions soin de sa famille. Et ça s'appelle la communion fraternelle. Est-ce que nous pourrions rehausser notre niveau de communion fraternelle? Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir. Il n'y a plus de gris, il n'y a plus de vert, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus... Hello ? C'est les noirs qui disent amen ou c'est les blancs ? Qui c'est qui dit ? On est ensemble, non ? C'est quoi toutes ces différences que nous pourrions faire ? Je ne parle pas forcément ici, mais c'est... Pourquoi parfois on fait toutes ces différences ? Pourquoi nous sommes la famille de Dieu ? Dans quelques temps, on sera tous ensemble dans le ciel avec ce corps incorruptible. Et quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre niveau social, quel que soit notre statut, quel que soit notre niveau de diplôme, on sera tous normalement prosternés devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs, chantant ensemble le même cantique d'action de grâce, le cantique nouveau qu'il va nous donner pour célébrer celui qui est la lumière. Alléluia. Alors commençons maintenant. J'ai demandé à l'équipe de louange de me rejoindre. Où en est notre communion fraternelle aujourd'hui? Où en est notre communion fraternelle à MCE? Et cessons, s'il vous plaît, de tout mettre sur le Covid. Non, mes frères, vous comprenez, avec le Covid, on ne peut plus faire ci. Avec le Covid, on ne peut pas faire ça. Avec le Covid, ceci. Avec... Arrêtons. Moi, je n'ai jamais autant travaillé que depuis qu'il y a le Covid. Alors, laissons nos excuses de côté. Et je crois que pour manifester notre amour et notre communion fraternelle, Covid ou pas Covid, nous pouvons le faire. Hello ? Nous pouvons le faire, non ? On va manifester notre communion fraternelle. On va manifester notre amour mutuel. Parce que l'image de l'Église, c'est ça. Fini de donner une image d'une Église qui se déchire, qui se parle mal, qui s'insulte, qui a des propos médisants, diffamatoires. Pouvons-nous mettre tout ça à la poubelle, frères et sœurs ? Pouvons-nous rejeter tout cela ? Et de dire maintenant, nous voulons une nouvelle Église où l'amour véritable règne au milieu de nous. Où ensemble, avec nos limites, avec nos désaccords, eh bien, nous allons malgré tout apprendre à nous apprécier. Parce que vous savez, c'est à cause de ça que nous grandissons. Si Dieu avait voulu faire de nous des robots, ce serait facile. Nous n'aurions aucun effort à fournir. Et pour grandir dans la maturité, eh bien, j'en reviens à mon exemple de couple ou de famille charnelle, c'est la même chose. Je ne connais aucun couple qui ne se soit jamais frictionné. Je ne connais aucun couple qui n'ait jamais été en désaccord. Je connais aucun couple qui soit, comment dirais-je, jamais disputé. C'est tout à fait normal. Il faut qu'on arrive à comprendre que c'est parce que nous sommes dans des désaccords et la manière dont nous allons gérer nos désaccords qui va nous faire grandir, ou qui vont nous faire grandir. C'est sûr que si on veut dominer, si on veut dire « Non, mais de toute façon, je ne vous permets pas que vous soyez en désaccord, il faut penser ci, il faut penser ça, il faut... » Là, ce n'est plus une communion fraternelle qu'on met en place. C'est une dictature. C'est une secte. Et l'Église n'est pas une secte. Comprenez, je ne suis pas en train de parler de doctrine, là. D'accord ? La doctrine, elle est ce qu'elle est. On n'a pas changé la doctrine. Il n'y a pas d'amélioration de doctrine. La doctrine, elle est ce qu'elle est. Mais nous sommes réunis autour du nom de Jésus. Après, il y a tellement de manières différentes de vivre la foi à partir du moment où nous respectons la parole
de Dieu. Alors, je résume et je termine. Premier point, nous avons été créés et destinés pour plaire à Dieu. Et cela se fait en l'aimant, afin que notre vie soit tous les jours une louange pour exprimer notre amour et le glorifier. Deuxième point, nous sommes venus dans ce monde pour faire partie d'une famille, sa famille, la famille de Dieu, et ça s'appelle la communion fraternelle. Nous verrons la prochaine fois, eh bien, les trois autres raisons pour lesquelles nous sommes venus sur cette terre et qu'est-ce que Dieu veut faire. Avant de terminer, j'aimerais que nous puissions prendre un temps sur ces deux points. Peut-être que nous avons besoin de nous cibler à nouveau et de nous recentrer sur notre vie de louange, justement, et sur notre amour pour Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a la capacité encore aujourd'hui de développer, de faire grandir l'amour dans notre cœur à son égard. C'est lui qui a le vouloir et le faire. Alors, il lui suffit tout simplement de lui demander. Et si nous pensons que nous n'avons pas assez d'amour pour lui, que finalement notre vie de louange n'est pas assez développée chaque jour, que c'est simplement des chants et pas un style de vie, eh bien nous pouvons lui demander ce matin, en lui disant tout simplement, « Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ce que, dans ma famille, je sois vraiment dans cette vie de louange. Aide-moi que, dans mon travail, les gens me perçoivent comme étant quelqu'un qui rend grâce à Dieu chaque fois, chaque jour, à chaque instant. Pas verbalement, mais dans mon attitude, parce que je vais être honnête, parce que je vais être intègre, parce que je vais être juste, parce que je vais respecter les gens, parce que je vais respecter les gens avec qui je travaille. Si c'est mon patron ou si c'est mes employés, je vais manifester de l'égard. Amen. Les principes divins, les principes de Dieu. Et puis, réfléchissons ce matin. Où on en est quant à notre communion fraternelle? Est-ce qu'on aurait des petits progrès à faire dans notre langage les uns avec les autres, dans nos propos, dans la manière d'accepter l'autre, même s'il est différent de moi? Que le Seigneur nous aide et que cette Église, à nouveau, rayonne dans cette ville et dans cette région. Je vous invite à prier avec moi. Fermez vos yeux pendant quelques instants, à courber vos fronts. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, pour ta grandeur, merci pour ton amour et merci pour ce que tu as commencé à déverser dans nos cœurs ce matin. Nous avons tellement besoin de grandir en toi. Je te prie pour cette Église, je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour ceux qui nous suivent à la radio, à la télévision, ceux qui nous suivent là sur Internet ou ailleurs. Et je te demande, Seigneur, vraiment ta grâce pour que tu nous aides dans le développement de notre amour pour toi, notre louange pour toi. Que notre vie soit vraiment impactée par le témoignage vivant de ce que tu accomplis jour après jour. Aide-nous dans notre comportement les uns avec les autres. Aide-nous dans la communion fraternelle, dans la manière dont nous partageons les choses, dont nous vivons les choses. Seigneur, que cette Église et à Fanières, à Épernay et les autres églises, nous puissions rendre témoignage ensemble de cet amour, de cette communion et de ta grâce. Merci pour l'implication des uns et des autres, de ceux qui ont le désir d'envie, enfin, qui ont le désir, qui ont envie de servir encore davantage, d'aller plus loin. Je te bénis et je te rends grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à terminer avec un dernier chant, s'il vous plaît, pour clôturer ces instants, ces moments maintenant. Amen. Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes rentrés dans la joie. Et nous allons partir également dans la joie. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous accompagne. On se donne rendez-vous mardi soir à 19h sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre encore un temps ensemble de célébration. Amen. Au retour et à très bientôt. Yeah.
Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonne semaine à vous tous.